Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la dernière guidance, dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite pensée positive de ce 8 novembre, sourire. Les Chinois ont coutume de dire que sourire trois fois par jour rend inutile tout médicament. Alors, pourquoi ne pas essayer, n'est-ce pas? Belle pensée positive. Et aujourd'hui, j'ai pigé protection. Quelle belle carte pour terminer cette semaine, protection. Je suis totalement protégée, je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Tu es à présent totalement protégé, tout comme le sont également les personnes que tu chéris le plus. Le ciel observe de son œil protecteur tout ce qui t'est cher et précieux, et cette belle fleur de vie t'entoure de son motif énergétique et protecteur. À l'intérieur, n'est-ce pas, de ces pétales dorés, tu es totalement protégé. Tu es en sécurité. Ton ange gardien, ton ange gardien a reçu l'assistance de la fleur de vie. Gardé de la sorte, tu es entraîné en toute sécurité à travers les vagues démontées de notre époque. Cette protection, n'est-ce pas, céleste, t'entoure toujours et partout, toi ainsi que tout ce qui te concerne. Sur tous les chemins que tu empruntes, l'énergie dorée de la protection t'attend déjà. Tu peux imaginer ton espace protégé comme une immense sphère. Tu résides à l'intérieur de cette sphère, elle est emplie des minces fils dorés énergétiques et de la fleur de vie. Et ton ange gardien renforce ton espace doré protégé. La fleur de la protection épaule de son côté ton ange gardien, ses mains dans la main que tous deux travaillent pour ton bien. Le défi pour toi sera: cette protection te rappelle que tu possèdes un ange gardien qui te protège toujours et partout. Tu ne dois plus jamais te sentir livré à toi-même et sans protection dans les moments difficiles sur le chemin de ta vie. Rappelle-toi que ton espace de protection personnelle est renforcé grâce à la fleur de vie. Et n'oublie jamais de demander de l'assistance à ton ange gardien. C'est tellement important, n'est-ce pas, que vous demandiez à votre ange gardien de vous aider dans la problématique que vous traversez. Et en plus, la fleur de vie, elle vous accompagne chaque jour. Elle vous accompagne à chaque fois que vous aspirez à développer une qualité dans votre vie. Et la qualité peut être
le pardon, le courage, la créativité, etc. Et cette belle fleur de vie, elle vous aide à réaliser votre objectif et vous accompagne, eh bien, jour après jour, comme nous faisons ici depuis le début de semaine, sur la voie de l'épanouissement profond et durable. Donc, demandez à votre ange gardien, c'est important. Il est là pour vous protéger, il vous protège votre ange gardien. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas votre ange, eh bien mettez-le moi en commentaire, je vous le calculerai. Je rappelle que nous avons, lors de notre naissance, 3 anges d'incarnation, c'est-à-dire notre ange physique qui est appelé notre ange gardien familièrement, nous avons notre ange émotionnel et nous avons notre ange intellectuel. Donc, si vous ne connaissez pas, eh bien, mettez-moi en commentaire votre date de naissance et votre heure de naissance. Et l'heure, elle doit être la plus précise possible, n'est-ce pas? Parce que toutes les 20 minutes, l'ange change. Voilà pour cette guidance, et on en vient au message. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Eh bien, n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ça, c'est le beau message de ton âme. Eh bien, voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis un très joli week-end dans l'amour, la tolérance, le bonheur, le pardon de tout ce qu'on a vu cette semaine, n'est-ce pas, dans l'amour inconditionnel. Et puis, voilà, on se retrouve pour une prochaine capsule. Et puis, d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse tout fort. Et n'oubliez pas de cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines capsules que je mets en ligne. Et surtout, mettez un pouce, comme ça, ça permet à YouTube de référencer ma chaîne. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Allez, je vous embrasse encore une fois. À très vite.